Ok, bon, ben la gang, faites surprise, Emily Lalune est là. Incroyable. Incroyable. Mon mot préféré. Incroyable. Et fait inusité, Emily Lalune s'est rendue ma voisine. Oui. J'habite à côté. Oui, donc on est toujours ensemble, on est vraiment contents. Oui, j'espionne Cass. Moi aussi, je l'espionne. Ah, tu me reconnais toujours tenue en plus. T'es jamais vu tenue? Hey, mais à chaque fois que je vais dans mon frigo, je fais full vide, tu sais, je me verse mon eau et je... Je suis bien déçue de t'avoir jamais vu tout nu, mais promène tout nu dans la vie, genre. Ouais. Tu vis ta vie, t'es tout nu. Êtes-vous team? Je me promène tout nu chez moi. Écrivez dans les commentaires, on veut savoir. On veut savoir. Hey, j'ai jamais dit ça à personne. Fait que la gang aujourd'hui, concept révolutionnaire, jamais vu. C'est un swap de vêtements. On dirait que je l'ai dit en même temps, mais j'ai jamais vu ça. C'est un swap de vêtements. Oui. Puis on l'a déjà fait ensemble, mais dans ce temps-là, on était des embryonnaires d'amis. Dis-tu? Maintenant, on se connaît super bien. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on se connaît plus, je sais que t'as un... En fait, ben, j'aime mieux ton look qu'avant. C'est pas drôle! Mais je me rappelle, avant, j'étais comme... Amy, elle a un look un peu qu'elle aime, tu sais. Vraiment, je trouvais ça un peu qu'elle aime. Ça fait Amy Lalune, genre. Mais non, mais là, ça s'est développé, hein? Oui! À travers le confinement. Le confinement m'a changé. Vraiment, Amy Lalune, elle n'est plus la même. Ouais. C'est rendu Amy le soleil. Je me trouvais vraiment trop. Ok, mais bref, tout ça pour dire que je suis vraiment excitée de refaire l'expérience parce que je pense qu'on va comme encore plus se surprendre, mais agréablement se surprendre. Oui, puis je me suis beaucoup plus donnée que la dernière fois. La dernière fois, je me souviens que j'avais fait ce vite, alors que cette fois-ci... Ah ouais, on a pris notre temps. Là. Ouais, avec les accessoires et tout, les souliers. Ok, fait que dans le fond, si vous avez pas compris, on va juste échanger nos vêtements. On a fait 4 thèmes. Des thèmes, en fait, qui tournent autour de summer, because... It's summer, guys! It's summer! Hey, les thèmes sont... Terrasse date! Avec un petit boy! Ou une petite girl! Ou une petite girl! Ou un humain, en fait! Oui, oui! Ou Paul! Ou Paul, ou un chien! Moi, ça m'arrive d'aller en terrasse date avec mon chien! C'est cute! Me jugez-vous, oui, peut-être! Sinon, nous avons barbecue entre amis! Mm-hmm. Mais barbecue entre amis, pour moi, je sais pas pour toi, mais moi, c'est comme... Je me mets quand même cute! Tu sais, c'est un petit barbecue fun! Oh! Pas toi? Non! J'ai hâte de voir! Si j'étais entre amis pis j'ai personne à creuser, moi je m'avais peur la langue, là! Ouais, non, non, mais attends, tu vas voir, moi quand je dis cute, tu vas être comme, ok, c'est ça ton cute matchup, mettons. Mais je veux dire, pas un gros mou, genre, ça je veux dire. Pour moi, je me force un petit peu quand même, c'est un barbecue oui, de famille. Ok. Tu comprends? Moi, pour moi, camping fait beaucoup plus mou. Oui, oui! Ok! Même que camping fait très pratique aussi! Oui, pratique, pratique, pratique! Pour souvenir de cet élément. Fait qu'on a le thème camping, parce que moi j'adore aller au camping, l'été. Moi? Tu vas jamais au camping? Ben, vous m'avez jamais invité. Ah, ben, parce que moi, chaque année, je vais au camping avec Caro, mais Caro, elle aime moins Amy, ça là. Caro! Le dernier thème, c'est... Festival! Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu se gâter un petit festival, donc pourquoi pas faire un semblant? En s'habillant en festival, mais en étant triste, car nous allons pas dans les festivals en ce moment, car il y en a pas. C'était une longue phrase, hein? Je vais mettre un sous-titre en anglais pour les gens qui parlent pas français. Moi, j'ai vraiment hâte que tu mettes ce j'ai vraiment hâte. Fait que, êtes-vous prêts? Moi, je suis prête. Non, moi, je suis prête. Êtes-vous prête? Es-tu prête? Devrais prête? Je pense que je suis prête. Go! C'est parti! Woohoo! Premier outfit, barbecue with Fran. Y'a-tu un petit truc de soir? 1, 2, 3. Ah! Ah, t'es trop cute! Donne-moi ton linge! Je suis tellement beau! T'es tellement cute! C'est tellement mignon! On dirait que ce outfit est même pas fait pour moi, on dirait qu'il est fait pour toi. Ah, pis avec les belles petites sandales! Oui, j'aime pas ça! J'aime vraiment ça! Moi, honnêtement, mon coup de cœur de ton outfit, c'est vraiment les sandales. T'es tout le temps dans les pieds, mais comme, sont vraiment confortables. Pis genre, je trouve qu'ils rajoutent un petit quelque chose au look, genre. Sans les sandales, je trouve que ça serait comme classique, mais. Ouais. Mais avec les sandales, ça fait comme, ah, oh, ok, elle s'est donnée, genre. Elle s'est donnée un petit peu. Ouh! Il y a le petit sac aussi. Ouais! C'est ça que j'ai shifté, mais il est vraiment cute. Oui, mais je me disais, tu sais, tu vas à un barbecue entre amis, t'amènes plein de bouffe, faut que t'aies un sac pour le mettre dedans, toutes les bières. Moi, je suis le genre de fille qui arrive à un barbecue sans nourriture, dans l'espoir qu'on m'en offre. Nourrissez-moi. Tu donnerais combien sur 10 à cet outfit de barbecue? Un solide 13 sur 10. Ah! Je le trouve magnifique. Mais honnêtement, il te va comme un gars. Avec le petit chapeau, là. Ouais. C'était vraiment pas un style quétaine, toi. Genre, je me verrais porter ça autant au parc, dans un barbecue, même dans un festival. Je donnerais un bon, ben honnêtement, un bon 9 sur 10, parce que je le porterais. Puis je me sens super confortable. Je suis déçue. Écrivez dans les commentaires. Sommes-nous cute? Est-ce un oui pour les outfits de barbecue? Prochain outfit, camping!
Je dois dire que les pantalons font vraiment camping. Mais t'as pas remarqué? Oh, tu peux les dézipper! C'est ça, c'est le côté pratique! Tu sais, fucking nice! Pendant la journée, il fait chaud, t'as tes shorts, mais là, le soir arrive. Un petit frisson, les moustiques qui nous piquent! Pas de fun! Tu mets ta deuxième partie! Mais c'est tellement brillant, tu sais. Alors, je dois dire, j'aime bien le petit gilet, mais je veux dire, il fait pas plus camping que ça. Là. Non, mais là, j'ai juste pris un t-shirt normal. C'est vrai que j'ai fait plaisir. Oui? OK, parce que je dois dire que ce coton est définitivement mon coton préf de Amy. Puis à chaque fois qu'elle met, je pose subtilement la question, penses-tu plus l'aimer à ma donné? Non, je pense pas. Ça a une valeur sentimentale. Ouais, récemment, c'est ça, elle m'a avoué qu'il y avait une valeur sentimentale et les vêtements qui ont une valeur sentimentale, malheureusement, on s'en débarrasse pas. On laisse pas ça aller. Non, fait que je suis triste. Te verrais-tu faire du camping comme ça? Je pense que oui. Oui? Je pense que oui. Hey, ce gilet-là! Ce gilet-là! Charlotte Cardin! Oui! You're a star! Non, elle aime folle pour moi. Non, vraiment, pis les... ça, c'est vraiment confortable. C'est vraiment confus, pour ça que je t'ai donné ça. Cependant, le soir, je me ferais piquer les jambes. Oui, j'avoue ne pas avoir pensé à ça. Moi, je pense que tu perds des points. Tu vas devoir perdre au moins 0.5. Oh non, pas 0.5! 0.5! Point total de 8.5 sur 10. 8.5 sur 10, mais as-tu remarqué? J'ai quand même agencé la petite calotte avec le petit dessin. J'ai certainement remarqué, Cassandra. Et je ne gagne pas 1.57? Oui, mais en fait, c'est parce que t'avais commencé à 8, tu comprends? C'est de la merde. Alors! C'est de la grosse merde. C'est ce qu'ils t'ont dit. J'oserais donner, ben moi honnêtement, pour le côté pratique, alors pour cette raison, je donnerais un 8.5 moi aussi. Ok, j'accepte la note. Prochain outfit, lequel? Oh, terrasse! Oui, c'est exactement ça. Terrasse! On fait terrasse, on garde le festival pour la fin, c'est mon but. Ben oui. Ok, fait que terrasse et ben let's go. Quelle transition incroyable! 1, 2, 3. C'est fucking beau! Ah, mais tu vois, moi, on dirait qu'il y a quelque chose que je suis pas certaine. Nette amélioration de la robe que tu m'avais donnée dans ta vidéo. Au bout de chic, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Moi, ça, c'est ce que je veux dire. Ton style était plus qu'était normalement. Oui, mais en fait, cette robe-là, c'était vraiment pour te sortir de ta zone de confort. Tu sais, j'en avais plein d'autres choix, mais je me suis dit, ça va être drôle. Oui, casse dedans. Mais c'est vrai que ça. Pour me sortir de ma zone de confort, ça m'a sorti de ma zone de confort en tabarnak. Ceci étant dit, j'adore le look de cette robe. C'est juste que moi. Je te vois moins parfaite. Je serais pas à l'aise sur ça. En fait, je serais très surprise de te voir arriver comme ça. Non, je serais probablement en saoule. Ça serait la seule raison qui ferait en sorte que je porterais cette robe. Mais j'adore cette petite sacoche. Yes! Elle est magnifique avec plein de petites couleurs originales. J'adore tes souliers. Ben là, faut que tu le dises à la caméra, ma chère. J'adore les souliers. La sacoche est incroyable, thrifted. Mais quelque chose qui cloche, je suis d'accord, au niveau de la ceinture. Mettons, j'aurais mis une ceinture noire un peu plus grosse avec une grosse boucle. Ben en fait, ce que j'aurais mis, c'est que tu me l'as emprunté il y a de cela jadis des mois et... Tu n'en reverras plus jamais. Je l'aime tellement. Je sais, j'aime pas le mauvais. Je donnerais un genre de 9 sur 10. Ok, moi, je donnerais 8 sur 10. C'est élevé? C'est parce que je t'aime. Ok, fait que dernier outfit, la gang. L'outfit de festival. J'ai hâte. 1, 2, 3. Ah! T'es dans mes pieds! Ok, j'aime ça pour vrai. Ok, mais honnêtement, Amy, c'est genre mon look préféré, là. Il t'aime tellement. C'est clairement mon prochain look de festival, là. Comme, sorry, not sorry, mais comme. Je suis tellement émue, t'es tellement belle. Je me file, là. Je pense que c'est mon préféré sur toi. Ouais, moi aussi, gros coup de cœur, là. Oh my god, que t'es belle! Mais ben, on s'entend qu'on est vraiment dans deux looks complètement différents. Oui, mais c'est ça qui est le fun aussi. Oui, absolument. T'sais, moi j'ai le look un petit peu genre... Edgy, je suis coquine genre. Tu sais, comme genre party, mais comme un peu genre... Party animal. Mais toi t'es plus comme classique genre. Ouais. Femme fatale, bohème. Mais ça qui est le fun des festivals, c'est que tu sais, y'a pas vraiment comme une ligne directrice. Ah, mettons une journée tu peux y aller de même, puis la journée après tu vas de même. Exact. C'est Moi j'ai hâte, je suis jamais allée. C'est pour ça que j'ai tellement hâte qu'il... T'es jamais allée dans un festival? Non, Cass! T'es jamais allée à Oshiaga? Non! Île Sonic? Non. Festival d'été de Québec? Non, mais ma vie a fait en sorte que je suis jamais allée au pique-nique électronique. T'es jamais allée au pique-nique électronique. Mais why, Amy? Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'étais en couple pis genre... C'est weird! Pire raison! Pire raison!
Mais le fait, c'est que j'ai toujours eu le goût d'y aller, mais j'avais pas d'amis qui voulaient y aller avec moi, genre. Hi, I'm Cassandra. Nice to meet you. Nice to meet you. Je me mettrais un petit pissant quand même aussi. Ouais. Mais parce que dans un festival, on apprécie avoir le vent aux lèvres. Et même pour pisser, c'est efficace. Hey, c'est sûr. Tu fais juste écarter un petit peu, là. Yacha! Ben, c'est aussi une robe. Ben, Amy, moi, je te donnerais un 10 sur 10. Oh, yeah! Vraiment. Mais tu vois, j'aurais jamais acheté ça. C'est ça qui est le fun. Ben, là, en fait, non, c'est pas le fun parce que c'est pas ben, moi. En fait, comme c'est juste un échange, on se leur donne d'après. On crée des besoins. Oui, exact. Mais je me rends compte que, tu sais, toutes les looks que je t'ai donnés fit quand même un peu ensemble, tu sais. Vraiment. Je sors pas tant de ma zone de confort et je pense que je gagnerais à sortir un peu plus de ma zone de confort. Parce que regarde comment t'es magnifique quand tu le fais. Oui, je me sens magnifique et ça fait du bien. Ah, ben, ça fait trop du bien. Tu me sentais jamais magnifique. Moi, je donnerais sûrement 10 sur 10 aussi. Ça 10 vrai. Sur 10? Ben oui, là, tu peux pas me donner 10 sur 10 puis moi je te donne moins, là. Oh my god, on s'attendait pas à ça. Mais quelle conclusion exceptionnelle, j'oserais même dire incroyable! Fait que, bref la gang, écrivez dans les commentaires, c'est lequel votre kit que vous avez le plus aimé. Préféré. Ouais, genre l'une sur l'autre. Fait comme ça, on va se l'échanger, on va se le donner, forever and ever. C'était ça le deal? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Mais non, on a la chance de Mais t'as accès à ma garde-robe quand tu veux, je suis juste à côté. Moi, Amy, elle habite legit en arrière de chez moi, fait que c'est bien pratique. Oui. Ça m'a fait plus bien de faire une collab avec quelqu'un. You're my first one. Ouais. Tu m'as dévergée. Ouais. Mais là, t'écriras dans le petit bas en bas, on a été vaccinés les deux. Moi, j'habite seule, je vois personne. C'est important de le dire. Alors, sur ce, on vous aime et j'espère que vous nous aimez aussi, car sinon, c'est vraiment triste. Bye!